Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ma recette sur le sablé breton. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, mais avant ça, je voulais vous dire de rester jusqu'à la fin pour découvrir la recette spéciale de la semaine prochaine. Passons tout de suite à la recette. Pour cette recette, pesez 960 g de farine, 40 g de levure chimique, 16 g de sel et mélangez le tout uniformément. Pesez ensuite 720 g de beurre tempéré, 640 g de sucre glace, 144 g de jaune d'œuf, 144 g d'œuf entier, la cuve de votre batteur avec la feuille, des moules pour éviter que la pâte ne s'étale lors de la cuisson, une plaque de cuisson munie d'une feuille de cuisson, un rouleau en bois et un peu de farine en plus pour éviter de faire coller la pâte au plan de travail. Passons ensuite à la préparation. Dans votre cuve, déposez votre beurre ainsi que le sucre glace. Faites ensuite crémer le tout pour qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre qui pourraient ne pas bien s'incorporer à la pâte. Ajoutez ensuite les jaunes d'œufs et laissez-les bien s'incorporer avant d'ajouter les œufs entiers. Une fois le tout bien incorporé, terminez par le mélange farine, levure et sel. Et continuez à mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Grattez les bords de la cuve et remélangez si nécessaire. Réservez ensuite votre pâte au frais pendant une petite heure, une fois enveloppée dans un film alimentaire. Étalez ensuite votre pâte au rouleau sur une épaisseur de 5 mm et découpez-y des ronds de pâte à l'aide d'un emporte-pièce. Si vous voyez que votre pâte se ramollit, n'hésitez surtout pas à la replacer au réfrigérateur. Déposez-les ensuite sur une plaque de cuisson et insérez le moule comme ceci. La cuisson. Cuisez-les ensuite à 160 degrés pendant 15 à 20 minutes. Vous pourrez ainsi les utiliser pour réaliser de délicieuses tartelettes aux fraises et en plus de saison. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à faire exploser le compteur des pouces bleus. La vidéo de la semaine prochaine sera une vidéo un peu spéciale puisque la chaîne fêtera ses 1 an. Je vous invite donc à ne rater ce rendez-vous pour découvrir toutes les nouveautés qui seront mises en place sur la chaîne à partir de cette date. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi.